Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matin, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportage, interview, débat, info, tout ça à Entrepreneurship sur... Madame, monsieur, bienvenue dans le 6e numéro émission Entrepreneurship sur Radio Lumière. Chaque mercredi matin, 8h-9h, Leslie Jules, Daniel Eliassin, Jacques Admettre, ou équipe 3 monde qui est toujours ensemble avec vous pour porter émission Sabaou, émission ça qui gagne pour finalité encourager tout le monde en question et entrepreneurship ici en Haïti. Et nous t'ai dit dans une émission, l'on t'a fait cap commencer série d'émissions sur entrepreneurship que c'est une planche de sable pour capable faire développement ici en Haïti question entrepreneurship. La émission ça li ciblé moun sa yo qui déjà engagé dans question entrepreneuriat, li encourager si la yo qui gagne potentialité à la caille et permettre que yo capable découvrir outils nécessaires pour que yo capable exercer talent yo dans domaine entrepreneurship. N'a ponti pause, n'a retourner tout à l'heure. Dans l'émission aujourd'hui, nous allons finir avec question plan marketing que nous avons commencé la semaine passée. Nous avons la première partie là-dedans. Aujourd'hui, nous allons voir la reste partie. Donc aujourd'hui, nous allons parler de politique nette, mais pas politique active. Hein? Madame, messieurs, nous allons parler de politique de prix, nous allons parler de politique de communication, politique de distribution. Trois éléments qui rentrent également dans le plan marketing. Professeur Leslie Jules, bonjour, bienvenue dans le 6e numéro émission Entrepreneurship. Bonjour Daniel, bonjour Jacques et nous saluer auditeurs et Radio Lumière. Comme d'habitude, nous avons un petit rappel sur l'émission semaine passée. Semaine passée, nous avons gardé l'importance et plan marketing là, et l'importance étude de marché a principalement gagné et nous avons gardé l'élément qui est dans le tout. À savoir, notre focus sur question produit et sur demande produit, sur qui ça fait on produit vendre et notre gardé plusieurs réalités, tant qu'au prix, tant qu'au qualité, tant qu'au service après vente, relations personnelles, technologie et notre gardé produit en par rapport produit que yon entrepreneur les offre par rapport à sa concurrent yo déjà a mettre sur marché, notre gardé et profil clientèle là. À savoir qui est lié, en sorte que pour entrepreneur capable mieux satisfaire clientèle là. Donc c'est ça qui te fait objet dernière émission. Premier aspect que nous allons développer aujourd'hui, hein, c'est politique de prix. Et pour qui ça est important pour nous parler de ça, professeur? Par contre, sous songer Daniel, dans la première émission que nous avons là, nous avons parlé de marché. Et nous te dit que marché c'est un espace et côté et monde qui offre un produit et monde qui mande un produit rencontré. Et lorsque deux entités ça rencontre dans espace ça, gon négociation qui fait et résultat négociation ça son prix. Ce soit un prix d'équilibre. Et prix ça c'est prix côté vendeur a décidé que la vendre et que acheteur lui-même lui décidé la pas acheter. C'est-à-dire que on comprendre à partir de définition ça, si pas gain prix, pas gain marché, donc pas gain clientèle, et si pas gain clientèle, pas gain profit, si pas gain profit, pas gain business. Donc on peut que prix a son élément fondamental que lié dans contexte business, et c'est ça qui fait l'important pour que un entrepreneur capable connait comment pour le fixer prix. Parce que prix a gon relation direct avec profit que entreprise fait. Et c'est pour ça on parle de politique de prix, ça veut dire qu'il y a une manière pour le c'est faire. Exact. Donc il y a tout un mécanisme pour que un entrepreneur fixe prix. Alors on veut que et puisque émission ça, il y a des monde qui gagne micro-entreprise qui coûte le tout. Des fois ça qu'on arrive que dans secteur micro-entreprise là, un entrepreneur dit que bon et l'acheter produit en $12, il vend ni $14. Et puis il dit que prix c'est 14. Mais en pile fois, il pas mettre dans prix et transport et il pas mettre tout coût
qui occasionné dans vendre produit ça. Donc fixer prix à son bagage qui fondamental. Donc il est très important et matin nous pas pral entrer dans trop détails au niveau de fixer prix mais n'a ba entrepreneur qui a coûté nous là l'essentiel pour que capable bien déterminer prix en sorte que pour capable gain profit que a chercher. Et qui premier élément qui rentre dans politique de prix. Lorsque yon entrepreneur a fixé prix yon produit, il y a quatre paramètres que le besoin prend en compte. Premier paramètre là, c'est qui ça produit en coûte. Parce que chaque produit a un coût. Que ce soit un coût d'achat, que ça soit un coût de fabrication, chaque produit a un coût. Donc, lorsque m'a fixé prix produit, première question que besoin poser tête moi, c'est qui ça produit ça coûte, qui prix serait les prix de revient, qui ça qui ça produit ça coûte. Pour que me gagnel la même pour que me vendre. Ça c'est premier paramètre que me besoin et prendre en compte. Deuxième paramètre qui est très important pour moi pour me prendre en compte, c'est capacité marché, c'est pouvoir d'achat monde que me cible. Est-ce que monde que me cible yo, y a capable payer produit ça à un prix que moi-même moi veux vendre. Et là encore pour prendre ça me dit dans première émission, prix c'est élément ou bien c'est résultat négociation entre offre et demande là. C'est-à-dire que faut que vendeur vende produit à un prix que consommateur a prêt pour l'acheter et faut que prix consommateur a prêt pour l'acheter là permettre que entrepreneur réalise un profit. Donc premier paramètre là la prend en compte et ça ça produit en coûte. Deuxièmement la prend en compte ça que marché a prêt pour acheter, prêt pour payer en termes de prix. Troisièmement le besoin prend en compte concurrence là. Parce que li pa pou kont li nan marché al pa li pa nan situation de monopole. Si l'on en situation de monopole, li capable fixer prix les gens vle et les gens ou parler de entreprise price taker, li fixe prix et mais s'il pa nan situation de monopole, li obligé prend compte prix l'autre et l'autre concurrent, l'autre acteur qui sous marché a prix que eux même yo prix que même yo pratiquer. Et quatrième élément fondamental là, c'est qui marge de profit que entrepreneur ta remet fait. A dit que le m'a fixé prix, m'a fixé prix en fonction de quatre bagages. Et chaque bagage ça a une importance. Donc m'pa pral fixer en tenant compte de youn et pendant que m'ignorer l'autre là. Okay. M'a besoin garder tous les quatre ensemble. Premièrement, m'a garder ça produit en coûte. Deuxièmement, m'a garder ça que consommateur a prêt pour le payer pour produire. Troisièmement, m'a regardé prix l'autre acteur sous terrain à savoir prix concurrence là et finalement m'a regardé qui marge de profit qui pourcentage de profit que m'ta remet fait sous produit. Donc c'est quatre éléments ça qui fondamental pour moi lorsque m'a défini ça que au fait que ce trait l'état le Haïtien la politique de prix. Yeah. Donc est-ce que il y a le monde qui t'a demandé est-ce que ça est toujours fait et quatre niveaux de réflexion ça yo avant prix en fixé. Est-ce que très souvent et mon cap vend yo businessman yo c'est pas marge de profit seulement qui dans tête yo donc puisque m'd acheter $100 par exemple m'd remet fait $50 sou li ça ou pas tenu compte de l'autre aspect ça ou est-ce que dans la réalité ça va connu. Alors dans la réalité ça dépend du secteur d'activité ça dépend du type d'entreprise là si sont gros entreprises si sont petites entreprises si sont micro entreprises chaque mécanisme pa yo pour définir prix et petite entreprise là alors micro entreprise là même li plus garder marge de profit a dit que combien pourcent la remet fait sous produit il just garder le comme ça et puis li vendre mais des fois pendant que l'a garder le comme ça il capable garder tout le monde qui bon côté là cap vendre combien il vend. Donc il est très important que démarche ça le fait. Mais on peut gagner l'autre entreprise qui plus structuré qui au même yo garder coût produit hein. Yo garder et yo garder situation concurrent à savoir combien concurrent yo même yo vend produit ça yo produit similaire ça yo et yo garder tout marge de profit yo. Mais dans la réalité si n'a focus sur réalité et en Haïti n'a dit comme ça que pas gon façon spécifique que moun fixe prix ici ça va dépendre de type d'entreprise là ça va dépendre de secteur d'activité parce que gen de secteur entré comme si prix yo établi à l'avance. Donc c'est ou même qui pour dégager pour produit dans un niveau qui permet ou vendre dans prix ça. Parce que si ou pas capable baisser coût de production pour vendre dans prix ça ou comme pas dans bataille. Cependant, ça qu'arrivé que ou plus cher que concurrence là. Mais qu'on y a là faut qu'ou capable prouver consommateur que produit pour la plus cher,
li met vin pren la kayo parce que li gen des avantages en plus que l'autre yo pa gen. Yeah. Et nan premier aspect te di an kou produit est-ce que quelquefois et moun et par contre fait quelque erreur ou bien quelques éléments qui kon échappé yo nan kou an et ou t'a parlé de ou ensemble de c'est pas seulement quantité kob ou t'acheter là mais transport si son bay ou dédouané donc taxe ou paye pour li est-ce que dans la réalité certaines fois nan kou produit an évaluation kon mal fait. Oui, certainement et des fois ça kon rive que entreprise yo kon gen difficulté pour calculer et prix de revient yo pour calculer prix de revient produit an pour comprendre chaque coût qui entre dans cadre fabrication et produit ça et là encore Mabdou ça dépend de type d'entreprise là. Il y a deux entreprises qui ont même yo gen expertise pour ça, yo gen et structure comptabilité yo cap travail sous différents coûts qui engendrer que ça soit au niveau de département production, que ça soit au niveau de département marketing, qui chita cap garder différents éléments ça pour capable ouais effectivement à qui prix que on supposé vendre produit ça pour capable assurer rentabilité. Et question ça n'a pas les rentabilité elle très important. Okay. Rentabilité à ses seuils à partir de qui ça m'a capable faire profit. A dit que et pour combien produit me besoin vendre pour me capable assurer que me commencer faire profit au niveau de l'entreprise. Et là encore ça m'a demandé pour bien comprendre tout coût de production mieux que ça soit comme les coûts fixe que ça soit coût variable nous pas rentrer dans définition concept ça au kounya là parce que nous pral gen une émission qui pral consacrer exclusivement à question finance et comptabilité. OK. Il y a et depuis le commencement émission moi quoi auditeur réaliser que champ et entrepreneuriat sont très belles champs mais pendant que étudier et politique de prix ça vraiment sauté aux yeux hein ou pour fixer prix en gardant un paquet de facteurs qui entre en ligne de compte. Facteur produit entre en ligne de compte, donc coût produit et clientèle entre en ligne de compte, capacité au pouvoir d'achat yo, concurrence là, donc l'autre monde qui en face yo, et puis c'est finalement marge de profit qui concerné ou même cap fait business là. Ça intéressant comme. C'est exact. Et non seulement ça, et ou qu'on a un secteur d'activité tout côté façon que ou jouer sous priant, li pral gen répercussion sur concurrence là. Okay. Ou capable décider ou baisser prix ou là pour capable attirer plus client et puis concurrence en décider baisser prix par là tout. OK. Donc kounya là ça ou vinn gon bataille ou vinn gon guerre des prix sur marché là mais kounya là c'est est-ce qu'on gen ceinture pour répondre à concurrence là. Le baisser prix par là jusqu'à quel niveau qu'a baisser prix par là. C'est-à-dire que qui contrôle que ou gen sous coût de production yo. De façon pour capable assurer que et ou capable kembe bataille ça. Ensuite l'autre réalité tout et pendant n'a parlé de prix et le m'a comprendre prix on produit m'a regarder tout qui volume de vente que me besoin pour me capable assurer et profit. Et c'est là m'a dit et en même temps et lorsque m'a vendre m'a bon prix que me vendre yon grain produit m'a bon prix que m'a vendre yon douzaine ou bien plusieurs douzaines de produits. Okay. Donc là ça recommande l'autre calcul parce que prix elle pas un prix qui comme Zindadou li définitif donc prix produit c'est $12 prix produit $12 par exemple c'est prix pour grain. Mais si on n'a pas acheté en gros, donc là encore, nous avons l'autre calcul qui besoin faire qui pour capable montrer effectivement à qui prix me supposé vendre. Et prix a encore une fois li fondamental dans l'entreprise. Parce que prix a une relation directe entre lui-même et profit. Et non seulement ça, gagnons l'autre réalité tout. Une entreprise capable de gagner un seul produit, mais qui vend sur plusieurs marchés, à plusieurs prix. À des prix différents. À des prix différents. Elle dit que li capable tout simplement, si l'emballage là le changer, ou bien li font saupoudrage au niveau de produit. Hein. Mais. Et là encore sont l'autre élément de réflexion côté entreprise elle est capable de considérer que bon il y a plusieurs types de clientèle que le cibler et par rapport à chaque type de clientèle il y a tel prix que le tarif est pratiqué sur marché pour même produit toujours pour même produit. Maintenant ça cap fait différence là. Différence là c'est tout simplement capable et soit dans emballage, li capable c'est dans et les valeurs ajoutées, quelque bagay li mette en plus dans produit là ou tout simplement li capable c'est tout simplement et produit à la vente, li passer dans l'autre circuit de distribution que nous parlons ça tout à l'heure. C'est-à-dire que un monde par exemple et ou gen boutique spécialisée qui vend parfum.
mais ou pour que dans maquette yo vendent parfum tout. Donc on pas prendre le temps nous à ce que yon parfum que ou pas acheter dans une boutique spécialisée à vendre même prix avec un parfum que ou acheter dans une maquette. Okay. En réalité, c'est même produit là, mais puisque circuit de distribution pas même, le ça ou vient payer prix et plus cher et consommateur des fois il pas un problème pour le payer le plus cher tout parce que connaît que li entré dans un réseau qui justement et de produits et que consommateur a acheté. Quatre côté l'acheter produit tout valoriser tout. Donc c'est dans un environnement côté c'est même produit d'accord mais vu quatre côté la prend produit d'accord pour le payer en plus. Et c'est ça que fait entrepreneur a besoin qu'on ait tout. Il capable, il pas besoin nécessairement et moins cher que concurrence là. Il capable plus cher que concurrence là mais l'essentiel faut le capable dire si m'a plus cher que l'autre concurrent yo qui ça justifie ça exactement qui ça pral fait que consommateur a c'est dans même la vienne acheter qui plus cher par rapport à concurrence là qui moins cher et ça li mande un bon étude de marché li mande un bon étude de marché li mande un bon et un bon campagne de promotion tout et de publicité pour que consommateur lui-même li capable averti et lorsque le connaît la prend produit là en plus de ça tout li connaît que lorsque là prend produit là là li gen chance croiser avec X la croiser avec Y la croiser avec Z laisse la pour retrouver dans réseau li laisse pas gen problème pour le payer produit là même trois fois la valeur tant qu'on t'a dit question estime non exactement donc là c'est politique de prix et qui l'autre bagaille que nous a dit avant nous passer à l'autre politique question prix hein, et là nous voyons que li fondamental si n'a pour reprendre si n'a font récapitulation et m'a garder prix a en fonction de coût de production ou bien coût d'acquisition produit hein m'a garder en fonction de capacité consommateur à pour payer produit hein dépendamment du type de clientèle que moi ciblé et li fonction de concurrence là de prix qui déjà établi sur marché là et aussi le fonction sous espérance de profit ou bien marge que moi-même d'arrêter dégager sous ça mais cependant m'a connaît que produit ça que m'a vendre là prix est capable varier en fonction de quantité que m'a mettre sur marché là donc quel que soit j'en prendre là m'obliger considérer rentabilité dans question prime ou rentabilité a c'est position qui permet moi commencer capable faire profit dans une entreprise. Donc et si nous te gagnon si était dans télévision t'as capable rapidement font petit schéma et pour expliquer et rentabilité a c'est qui ça lié. Par exemple, moi capable dire que m'a vendre CD comme c'est CD mien en face moi là. Calcul rentabilité m'a capable dire que pour moi rentable faut que moi vende 25 CD par jour. Et que quand y a une situation si me vend 24 CD me fait perte. Si me vend 25 CD, ça veut dire que coût égal à revenu, ça veut dire me pas perdu, même pas fait profit non plus. M'a fait profit si me vend 26 CD. C'est grain CD en plus ça qui va constituer profit. Donc nous allons entrer dans ça et lorsque nous allons regarder émission sous finance à comptabilité. Donc globalement c'est ça et que prix en yé. Donc prix am capable vendre ni capable vendre produit nan plus cher c'est pas grave plus cher que concurrence là même néanmoins faut que moi gagne capacité pour moi communiquer avec et clientèle moyen pour qui ça que produit pam nan et li capable acheter le plus cher que concurrence là à qualité égale et pas n'a parlé de communication ça sont bonne façon pour faire transition à politique de communication ou bien pour promotion de vente qui ça lié en réalité politique de communication c'est que bon pour produit là bon excellent pour produit là excellent pas qu'à vendre tête li et en pile monde qu'on a dit que produit ça tellement bon qu'à vendre tête li et mais pas un produit qui vend tête li pour compte produit pour le vendre faut qu'on information transmettre donc faut que clientèle là li au courant de produit si mon produit un bon produit dans salon la caille moi personne pas au courant de lui même garantie produit ça pas vendre quoi que le bon donc faut me font façon pour que moi informer et clientèle là ou bien clientèle et que me cibler pour m'informer que produit ça là a dit que produit est disponible tel côté à tel prix et que mes importance mes avantages que produit ça balé donc faut qu'information au disponible et c'est là que on va mettre en place ton politique de promotion et de vente pour produire mais première question que me besoin poser tête moi et lorsque on va faire et politique de communication ça puisque
m'a évolué dans un secteur d'activité côté gen l'autre monde qui dé gen l'autre acteur qui déjà présent sur les concurrents qui déjà présent sous terrain. Première question que me besoin poser tête point, c'est l'autre acteur ça déjà présent sous terrain qui mécanisme de publicité que vous utilisez. OK. Parce que concurrent ça yo gon longueur d'avance. Donc me besoin garder ça va les dire me va copier ça au fait non. M'a garder ça au fait, moi même va faire innovation pas tout parce que n'a parlé de entrepreneurship. Pas gain entrepreneurship sans innovation, mais l'essentiel c'est que vu que on a une longueur d'avance souterrain, hein, donc on va regarder pour moi et qui type de média que vous utilisez pour faire passer information yo, pour moi qui type de média pour que moi-même capable utiliser tout. Et c'est là Livine prend toute importance connaissance de clientèle moi que nous t'a parlé dernièrement. Parce que m'pa pral font publicité dans journal pour une clientèle qui pas les journal. C'est ça. M'pa pral font publicité dans télévision pour une clientèle qui pas regarder télévision. Donc m'a besoin gon connaissance sous clientèle moi pour m'capable connait qui type de clientèle que lié, comment pour me communiquer avec lui et les m'a communiquer avec lui qui ça pour me dire et c'est ça relé argumentaire de vente en français. Lorsque m'a parlé avec elle qui ça me pral dire, qui ça pral toucher et c'est là lorsque y a parlé de politique de communication, yo dit que gain acheteur gain consommateur. Donc c'est deux concepts et faut ne pas mélanger yo. OK. Dans un ménage, pas oublier de définir ménage dans première émission et dans un ménage, ou capable joindre ça qui passe, ou capable joindre un monde acheter produit mais c'est pas les consommer. Par exemple, si on prend jouet pour petit monde. Jouet pour petit monde. Bon, papa ou bien maman acheter jouet là, mais c'est pas les consommer jouet là. Okay. Monde qui consommer jouet là, c'est petit monde là. Donc l'homme va le font publicité. Il est vrai que c'est acheteur là cap acheter. Il est vrai que c'est parent cap acheter, même pas va le font publicité pour parent. On va le font publicité cap attirer petit monde là pour le dire parent, papi acheter ça pour moi. Donc ça forme bien connait à qui est-ce m'en a fait. Et en termes de qui est-ce qui acheteur, qui est-ce qui consommateur, lorsque m'a défini politique de communication. Et dans ce sens, ça, qui est-ce qui est plus important pour consommateur ou bien acheteur? Ça qui est plus important pour moi, c'est consommateur. Ok. Parce que c'est consommateur qui crée, qui si vous voulez, qui demande là en réalité. M'a pas négliger acheteur. Et c'est ça que fait si nous tournons dans la même logique jouet ça. Par exemple, m'a font publicité pour jouet, m'a fait le pour petit monde, pour petit monde capable dire maman ou papa ou acheter ça pour moi. Mais en même temps, m'a dit dans jouet ça, m'a dit dans publicité à que jouet ça pas gagne rien de nocif pour petit monde. Ça sont information pour parents. Pour acheteur. Pour acheteur. C'est-à-dire que m'a fait publicité en façon pour l'attirer petit monde là, mais gros information parce que monde cap débourser cob là lui-même, il gagne mot parle pour dit tout, c'est pas juste petit monde cap dire m'vle ça m'vle. Mais kounya là m'a décanté information à savoir qui ça m'a dit acheteur et qui ça m'a dit consommateur en sorte que pour capable joindre un meilleur feedback de publicité. On connaît très bien la réalité pas non et gen, même s'il est pas généralisé mais il y a un pile monde qui gagne une perception négative de question publicité. Je crois que depuis on fait publicité pour un produit ou bien pour un service c'est que il pas de qualité. M'damen ou dit quelque chose sur ça. Eh ben c'est ça que nous sommes dit à l'heure. Qualité produit hein, pas vendre produit hein, en tant que tel sans que moi pas communiquer à acheteur ou consommateur yo, et mes produits mais qui s'allie à ta que tel. Donc ça son question de alors faut me dire nous que nous t'es toujours alors on a parlé de contexte haïtien et nous pas un contexte côté ou un développement secteur privé à cheval. Donc on a en situation côté où t'es fait sauter dans une situation de monopole et jusqu'à présent on a regardé dans plusieurs secteurs d'activité ou capable compter sous doigt combien acteurs gagnent ou toujours en situation de monopole et entreprise qui est en situation de monopole elle pas intérêt faire publicité parce que vous voulez que vous parlez vous venez acheter dans même. Donc nous pas déjà été dans une culture de concurrence de économie et qui chita sous question concurrence sur économie de marché, j'en ai dit. Parce que a fait perception négative de question publicité, elle est tellement fort, même des publicistes, oui. Quand elle a fait publicité au bureau du et pas publicité non. Ouais, c'est pas il va réclamer, il va réclamer fait. Il va réclamer fait. Ouais, ouais. Donc mais quand même ou comment c'est vraiment permettre que nous comprenions question monopole là.
et ouais pour effectivement et sous pas bien comprendre et réalité ça ou à penser c'est vrai et perception négative là ou après que gain une série de entreprises de services et particulièrement des écoles ici en Haïti ou pas jamais entendu vraiment il a fait publicité dans radio bien dans télévision et tout le monde connaît reconnaître que c'est bon, les alors, meilleures écoles alors forme de et bouche à oreille là tout sont l'autre forme de publicité et tout alors bouche à oreille okay, ça crée les yon dit l'autre là okay. Radio Jol Jean Aurélel ça sont l'autre forme de publicité okay, liée okay. Et qui gagne autant d'impact que publicité traditionnelle que offert à travers médias yo presse écrite presse parlée presse télévisée. Donc là encore, ou pas capable dire que ou pas fait publicité. Pas fait, okay. Peut-être directement entrepreneur a pas fait, mais consommateur a fait pour lui. Okay. Et lorsque ou un consommateur qui satisfait ou un acheteur qui satisfait, il fait publicité pour. Et forme de lorsque on regarde des politiques de communication, promotion, publicité, l'important li pour capable mesurer impact publicité en sorte que pour pas continuellement a fait publicité au passé à travers yon média qui pas atteint clientèle ou. Et c'est ça qui fait l'important et alors en pile entreprise pas qu'a fait ça me gal dit là mais il était ca bon pour entreprise faire ça permet de jauger et impact et média que l'a utilisé comme canal pour atteindre consommateur ou bien acheteur. C'est tout simplement mandé acheteur par qui moyen ou tu es au courant de produit ça. Qui est-ce qui t'est parlé ou de produit ça? Et là, on connaît exactement, s'il dit comme ça que mon cher c'est dans la télévision, well, et là, ça, on regarde pour qui quantité de monde qui dit c'est dans la télévision, ou well, là, ça, on connaît que mon cher télévision, son bon canal de communication. Pour moi. Mais si on y a là plusieurs monde qui dit comme ça que moi-même c'est dans le journal, well, là, ça, on connaît que un journal, c'est canal privilégié pour atteindre le public. Ou, donc, c'est très important. Et dans le cadre, et je n'ai pas de publicité, il y a une anecdote, une blague que vous avez raconté dans ce ça. Alors, c'est deux entrepreneurs qui ont rencontré l'autre et puis il a parlé de impact campagne publicité et puis il dit mon cher on est et avant hier on font publicité et dans le journal me dit comme ça que et besoin en sécurité pour veiller magasin pour moi parce que me pas de sécurité et puis l'autre entrepreneur a dit est-ce que tu as mesuré impact campagne de publicité ça monsieur dit oui m'te mesuré annonce ça sorti aujourd'hui dans soir au casser magasin. Donc là, il y a des gens qui t'a coûté que monsieur pas gagné gardien de sécurité. Donc publicité à quelque part il marchait. Il marchait. Yeah, et sous même question et perception quoi où aider nous là est très clairement même absolument vina on l'autre élément pour permettre qu'on renforce lui et me compte toujours dit quelques monde qui croit que pour bon produit yo pas fait publicité des pour faire publicité parce que produit a pas bon me dit un produit mondial ou bien international on a tout font publicité pour yo tant que Coca-Cola yo pas ta besoin continuer à faire publicité pour lui encore absolument et ouais pour multinational yo fait plus publicité que tout l'autre type d'entreprise parce que eux-mêmes yo connaît que à n'importe qui moment ou capable gen sorti les un nouveau entrant dans un secteur d'activité qui vient détrôner ou. C'est-à-dire que ou besoin créer une image dans l'esprit consommateur là que c'est seul ou même qui présent sous terrain. Et c'est ça qui fait pour que même lorsque entrepreneur lui-même il fin réaliser toute espérance de profit que il est capable gagner, il continue à faire publicité toujours. Publicité à son bagage qui continue la carrière institution. Ou faire publicité effectivement pour capable pénétrer au marché, pour capable faire monde connaître que ou là ou gain produit ça, mais même lorsque au fin établi, même lorsque au fin une entreprise accomplie ou réalisé objectif et en termes de chiffre d'affaires, objectif ou en termes de profit, mais ça pas empêcher continuer faire produit ou continuer faire publicité toujours pour qui ça? Parce que d'abord la terre entière pas acheté dans main seul. Donc il y a l'autre monde qui a besoin d'attirer et pas oublier tout et plus souvent c'est plus souvent faire profit tout toutes choses restant égales sachant que ou t'es bien fait calcul de coût ou t'es bien fait calcul prix que nous t'as parlé tout à l'heure. Donc qu'on y a là ça qui est important tout c'est que chaque entreprise besoin créer une image dans l'esprit consommateur une image de marque et ouais pour c'est image de marque ça qui fait que gon série de produits qui tout simplement rete dans tête nous par exemple le frigidaire pas gon bagaille le frigidaire gon bagaille le réfrigérateur mais premier compagnie qui t'a vendre réfrigérateur là le les frigidaire donc frigidaire toujours dans tête par exemple en pile mon a parlé mon a dit mon cher prêtez moi Kodak ou mais pas gon bagaille le Kodak gon bagaille le caméra donc caméra c'est son appareil de photo que dit mais
première entreprise qui t'a fait publicité pour bailler ça, c'était les Kodak, même Jean Jodi en radio, moi j'aime pas acheter un gilet pour me faire bab moi. Gilette son compagnie. Son compagnie crée les gilets. Gilette vend rasoir, produit en rasoir. Donc l'idée c'est qui image que on pral projeter dans l'esprit clientèle moyen, à savoir que pour lorsque le web produit ça li web. Et c'est la publicité important même lorsque me fin établi tête moi. Comme une entreprise qui accomplit dans secteur d'activité a, mais ça pas empêché que moi constamment m'a travaille pour que moi capable informer kembe public moyen kembe public là là en haleine si m'a développé de nouveaux produits pour que clientèle là ouais que pas capable passer le compagnie ça la petit pause pour retourner après posant pour nous continuer à parler sur politique yo hein politique pas politique politicienne pas politique active nous déjà parlé de politique de prix et avant pause là nous t'ai déjà commencé à développer politique communication que n'a continué avant à l'aborder dans fin émission politique de distribution toujours politique de communication professeur Leslie Jules t'a dit publicité li besoin fait en continu ou t'a montré important ça une raison c'est que même l'offre gain client là mon besoin Kimbel moi même t'a ajouté aspect ça tout non seulement Kimbel mais permettre que lui fait face à concurrent lui même tout cap fait publicité cap voyer message bali tout donc le sens besoin continuer bal message juste pour besoin fidéliser c'est ça et fidélisation et n'a pas lié il pas seulement fait au niveau de publicité et externe mais le fait au niveau de publicité interne tout à savoir façon que vous traitez client et employé façon que oui employé façon que entreprise là parce que parce que traiter client exactement parce que et consommateur ak vini acheteur ak vini dit pas ou employé ou entreprise là a dit que leur employé pas recevoir un client j'a pour recevoir client pas nécessairement ou employé ça dit ou entreprise là et c'est ça que fait et lorsque n'a parlé de publicité n'a parlé d'image non seulement ou gon image que ou besoin projeter au dehors ou besoin à l'interne projeter un bon image tout lorsque un consommateur entre dans entreprise li ou entreprise en sale tout bagarre des zones quel que soit publicité que ou fait par quel que soit média ça pas réellement attirer attention parce que tout simplement ou gon image d'insalubrité ou gon image de entreprise qui pas propre et qu'on y a là produit que ou a vendre là et ça pral gon impact sou li donc qualité produit ça consommateur pral gen droit pour le questionner et consommateur arrivé dans entreprise là yo mal recevoir yo pas capable ba l'information sur produit et yo pas capable font une démonstration pour lui sur produit yo pas capable expliquer comment pour le servir à produit parce que on a une culture côté moun pa li et c'est ça qui fait au plus parler d'un oralitude la caille non plutôt qu'on littérature a dit que on prend un pile produit un pile appareil on vient avec un mode d'emploi le plus souvent haïtien moyen il pas prêt à lire mode d'emploi pour prendre quelques monde qui a intéressé bon fol lire mode d'emploi mais là encore il est capable bon service que entreprise a été capable offrir a dit que expliquer consommateur comment pour l'utiliser produit ça et ça entre en pile pays fait en pile pays a dit que même dans pays côté monde qu'on lit ça entre dans cadre service après-vente. Alors je dans service après-vente là ou gain formation à l'utilisation ou gain remplacement et tout qui entre dans cadre service après-vente là. Donc là, c'est comment on va traiter client là en sorte que pour me créer dans l'esprit pal, mon image de marque, une image de qualité,
au-delà de tout ça que m'est capable de dire dans la radio, dans la télévision, dans le journal. Donc, ouais, juste côté publicité. Donc, publicité, à promotion en tant que tel, son projet lié dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'une entreprise qui dit que nous prenons vendre une image de qualité. Et lorsque nous prenons une image de qualité, ça, son projet dans l'entreprise, à côté, tout le monde doit partir pour une autre. Comment c'est sous monde qui a balé la cour? Rivé jusqu'à monde qui s'est président compagnie. A dit que yo développé une culture de qualité. Et que qualité ça son image que yo pral vendre dans l'esprit consommateur. Que consommateur a gain gros cob, que il gain petit cob, que l'a pas acheté en gros, que l'a pas acheté en détail parce que des fois ça qu'on rivé tout et gain de clients, gain de entreprises qui considérer que tel client son bon client parce que l'a acheté en gros. Et tel client lui-même l'achète en détail, il n'y a pas de considération. Mais ça qui passe, tu as l'air d'expliquer que la publicité qui fait dans la bouche à oreille, il y a autant d'impact que l'autre publicité qui fait par le circuit traditionnel. Parce que lorsqu'un client qui est insatisfait, il y a un client qui dit l'autre. Et là, il y a un effet multiplicateur. Il n'y a pas de contrôle encore sur ce dommage qui fait lorsque ou pas bien accueilli un client. Et là, ça va qu'on a nos oreilles qui est si pas tomber. Et peut-être, monde ça, il est capable, son monde qui fait émission entrepreneurship tout. Et qui est capable, bon, et radio va permettre de citer entreprise. Donc, il est très important, lorsque nous regardons la politique de communication dans l'entreprise, il doit prendre en compte et communication à l'interne et communication à l'externe qui tous les deux doivent focus sur qualité que l'entreprise la vend pour attirer plus de clients. Il y a un exemple très récent et sur l'aspect communication interne, on va parler en traitement que vous avez clientèle là. Et maintenant, on rencontre avec quelques collègues, mais il y a un là-dedans, c'est son entrepreneur. Et puis, il y a un côté qu'on a à l'acheter, en gros, etc., pour le vendre. Et puis, mais son l'autre bas, monsieur t'a expliqué, oui, mais monsieur dit, tellement yo bien traité tellement et bon monsieur et semblait li très fidèle tout à entreprise ça nan acheter service nan mais yo monsieur dit yo ballon carte VIP et monsieur allé carte là dit ouais carte ça me gain et entreprise ça son gros entreprise oui monsieur dit depuis me besoin rentrer tel côté et directeur a dit me pas même besoin ouais agent de sécurité depuis me râler carte moi et puis et me capable entrer sans problème donc ça fait monsieur plaisir et au senti monsieur paré pour le faire publicité, promotion pour entreprise, ça parce que y a le bon traitement. Justement, et si entreprise est intelligente, il suppose distribuer à chaque client un cadre VIP. Parce que l'objectif, c'est faire la clientèle sentir que l'estime. Faire la clientèle sentir que li pas tout simplement un acheteur, mais son monde à part entière. Et que son monde apprécie li. Et ma boss, c'est ça qui fait gen deux programmes que yo développé actuellement pour capable répondre à besoin client. Yo nan programme que yo développé et alors son programme m'a évité bon non en anglais mais m'a tout simplement expliqué au mécanisme comment il fonctionnait son programme de gestion stock. Côté dans market, yo tellement étudié clientèle là, yo connaît exactement la caillou qui le tel produit pour le fini. C'est comme dado le ou t'a fait démonstration logiciel ça c'est comme dado on écrivait dans porte market là yo était longe au panier pour parce que yo était connait exactement ce vin acheter ah bon parce que yo était suivre tendance consommation yo ouais chaque ton vin acheter pour tel bagaille pour telle quantité chaque kilo et programme ça li meto dans base de données yo donc yo déterminé à un certain pourcentage qui le op vin acheter c'est comme dado depuis pas nous rentrer dans porte market là yo gen longer sachet à pour ou même ou juste payer donc pour moto gen moun k'ap penser consommateur comment pour satisfaire consommateur pour que consommateur pas gen migraine parce que tout monde qui vient acheter dans entreprise est supposons VIP que la pas acheter en gros que la pas acheter en détail non loin de bail ça non faut d'avoir pile émission faut payer à ta travail en pile mais n'a privé là n'a lentement mais sûrement. Très bien. Maintenant, on nous faut parler de médias et tout avant d'aller dans dernier politique, la politique de distribution et qui type de médias et là nous surtout dans communication externe que ouais entreprise est capable utiliser pour toucher et plus facilement et clientèle. Ça dépend de qui produit ou vendre, ça dépend de à qui public ou vendre. Parce que j'en t'ai dit tout à l'heure et si au grand public qui plus et garder affiche dans la rue ou pas pour faire publicité dans la télévision pour lui parce que peut-être il capable garder télévision
Donc c'est ça qui fait très important lorsque vous avez un monde qui vient ou comme une entreprise qui existe déjà qui vient acheter dans mais pour demander ou pas qui filière ou t'étant de parler de vous. Le ça le bon information ça ou traiter information ça ou tout connaît pas qui canal pas qui média pour atteindre monde ça. Parce que une majorité de monde qui vient côté ou dit comme ça que mon cher son poste me t'ai dans la rue. Donc le soir qu'on est que bon faut essayer faut budget publicité me doit aller là. Sougon quantité moun tout qui dit que et mon cher c'est dans télévision on te voit réclame non et le soir qu'on est que on parti budget consommation on parti budget et publicité ou ta supposé aller dans sens ça mais pour une entreprise qui pour coexister OK a dit que qui pas gain chance et questionner clientèle li pour le connait et qui ça te fait venir acheter là au premier abord le ça tout ça le capable faire c'est aller voir concurrent yo. OK. Al gade pou loue et comment concurrent yo même yo atteint clientèle ça que lui-même il veut desservir. OK. Donc là ça allait tout simplement ouais que bon puisque me veut desservir même public que concurrent yo a desservi là. Donc si moi concurrent si moi ça marche pour yo peut-être que ça ka gain à canal de publicité de promotion que utiliser moi m'a utiliser même stratégie. Oui, peut-être l'état qu'a prendre chance avec radio par exemple étant donné que bon radio et en tout cas dernière et enquête que m'était li sur ça et radio plus de 80% monde dans pays hein, même si pas ta gain radio mais au moins tendez au moins écouter radio. Écouter radio donc m'ta ka dit si ta gain le choix entre radio, télévision et journal donc radio a pour premier prix, télévision et à un niveau moyen puis bon journal là mais c'est très peu. Très bien. Yeah. Donc yo pas catégoriser poster non pas de catégorisation pour poster mais c'est surtout pour toi ça yo et télévision t'es dans environ 20% ouais comme ça puis journal là moins de 10% donc en tout cas radio hein, c'est moyen et c'est un moyen qui très sûr pour capable toucher et mon yo non seulement aspect comme on a parlé de publicité c'est pas publicité on fait pour radio là on tout pour publicité pour radio lumière vous comprenez donc non seulement aspect oralité au côté parlant donc radio c'est exactement ça c'est parler c'est tendre mais et en termes de capacité que mon yo gagne pour tendre ou bien pour posséder donc c'est m'takadi canal qui bail plus possibilité et non sans ça. Maintenant, ben c'est tout bagaille prêt pour nous rentrer dans la troisième politique là, dernière politique de distribution. Pour qui ça et d'abord nous besoin parler de politique de distribution. Distribution est important parce que l'homme fin fait consommateur au courant de qualité produit hein, qu'on y a là comment le bras le faire pour que il fait acquisition produit ça. OK. Parce que objectif point c'est que l'acquérir. Donc comment on bras effectivement vendre produit ça. Est-ce que son produit que m'a vendre sous place à savoir que clientèle là la vienne acheter la caille moins ou bien est-ce que son produit que moi-même moi pral livrer c'est son produit que moi pral distribuer moi pral établir des points de vente comment moi pral faire et là ça encore pral dépendre de connaissance que moi-même moi gagne de clientèle là effectivement si que mon budget qui permet moi gagne plusieurs points de vente donc moi capable si vous voulez une stratégie de proximité côté moi t'es capable plus proche de clientèle là et à cause de points de vente ça yo bon c'est très bien mais qu'on y a là qui capacité m'a gérer plusieurs points de vente est-ce que point de vente ça yo il y a point de vente PAM est-ce que point de vente ça yo il y a point de vente l'autre monde côté m'a mettre produit la caillou en consignation est-ce que produit ça aussi vendre m'a vendre mon yo pour yo même yo revendre pour moi et puis pour yo ban mon pour yo ban marge qui revient à moi même donc comment m'bra le faire pour moi distribuer produit ça c'est très important. Et non seulement ça, mais j'ai posé cette question tout par rapport à produit que m'a vendre, est-ce que produit ça pas gagne un circuit de distribution traditionnel? À savoir si son produit et si son médicament que lié, bon général, tout médicament, en pile médicament vendre dans pharmacie. Donc on capable dire pharmacie son circuit traditionnel de vente pour médicaments. Maintenant, pour produit m'a vendre, est-ce que gon circuit traditionnel l'autre concurrent l'autre monde qui existait déjà ou qui souterrain l'autre acteur comment eux même yo vendre produit ça donc faut me connaître maintenant toute entreprise ta rien couvrir tout pays a maintenant qui ça coûter pour que moi couvrir tout pays a pour que me vendre produit dans l'ouest pour que me vendre dans le centre pour que me vendre dans la Tibonite pour que me vendre dans le nord donc qui ça coûter pour que moi gagne une couverture
commercial et du territoire. Mm-hmm. Donc ça, c'est autant de questions que moi-même besoin poser tête moi en tant qu'entrepreneur, à savoir qui stratégie que moi l'utiliser. Est-ce que ma vendre produit à la caille moi mon a vienne acheter? Mm-hmm. Est-ce que moi établir des points de vente pour me capable plus proche de clientèle là que possible? Point de vente ça yo, pour qui est-ce y a pied? Est-ce qu'il y a point de vente PAM? Est-ce que je peux gérer? Est-ce que je peux mettre en place? Est-ce qu'il y a des points de vente qui appartiennent à l'autre monde et que je peux dans un réseau de distribution pour moi? Comment je fais? Est-ce que je peux des démarcheurs qui peuvent démarcher produits avec des échantillons, à présenter le produit en bas plusieurs mondes qui sont capables éventuellement d'acheter? Est-ce que je peux avoir une force de vente, une quantité de vendeurs? Comment je fais? Il est très important pour que l'entrepreneur réponde à la question ça parce que stratégie business censée vendre pour moi pour me capable connaître et produire pour me connaître que et produire et il doit répondre à une demande. Il était très important pour moi pour me capable connaître clientèle là pour me connaître qui besoin qui sa clientèle là veut pour me satisfaire. Il était très important pour moi pour me connaître à qui prix que me vais vendre pour que m'assurer et profitabilité entreprise là pendant que clientèle là qui acheter produit et dans prix que moi-même m'a proposé. Il était très important pour moi pour me connaître qui stratégie que me va atteindre pour me faire client au courant de produit mais tout ça li comme parler dit ainsi que pas capable vendre. Donc vente là li joue un rôle fondamental dans l'entreprise en termes de façon que me va mettre stratégie en place pour que me capable faire que produit ça qui dans même là li atterri dans mes consommateurs parce que c'est lui-même qui a payé pour lui et c'est à partir de cob que li ban moi que moi m'a capable continuer exister en tant qu'entreprise. Donc ça dit et politique de distribution li même tout li tenir compte de produits hein, de concurrence là et puis de clients définitivement parce que tout simplement et c'est stratégie si vous voulez c'est point final là. Okay. Point final l'entreprise c'est vendre. Quel que soit type d'entreprise, depuis le pas vendre, il pas dans bataille. Donc le map vendre, j'ai besoin de décider sur comment je vais vendre. Est-ce que map vendre directement à clientèle là? Est-ce que je vais établir des points de vente? Est-ce que map gagne des vendeurs que map mettez sous terrain, map gagne des démarcheurs? Est-ce que je veux vendre et dans zone côté mien, dans ville côté mien? Est-ce que je veux couvrir l'autre ville? Qui moyen que moi-même moi disposer dans même pour que je sois capable de mettre en place une stratégie de distribution campée et que je sois capable de réussir la donne. Entreprise qui réussit, c'est entreprise qui maîtrise la stratégie de distribution. Et si vous n'êtes pas clair dans la distribution, vous n'êtes pas dans le business. Et qui est sûr qu'on maîtrise la stratégie de distribution. De pouvoir faire comme qu'on est distribution en bon goût. Ah ben, vous avez dit à vos amis, vous avez retourné.
Voilà, nous retournons et ça c'était dernière pause là, nous pour le finir. Mais avant de finir, professeur, avant de m'en faire et rappel de ça nous aujourd'hui, hein, me senti que ce soit dans façon de développer politique de prix, politique de communication, politique de distribution, moi ça c'est affaire professionnelle. Et professionnel comment? Là, il dit c'est pas nécessairement mettre business là s'il pas gain capacité dans ça. C'est exact, c'est lui. Exact. Donc là moi c'est peut-être même un service que l'état ka acheter bon, en dehors de l'entreprise si pas gagner de monde dedans qui gain capacité ça. Ou, dépendamment de taille, de grosseur entreprise là, de secteur d'activité le tout ou bien de compétences qui capable disponible dans mitan entrepreneur parce que pas oublier on te font émission côté on t'a dit mais gide gon réseau de compétences qui besoin disponible la carte entrepreneur sinon autour de entrepreneur a dit que qui capable aider dans ça sinon dépendamment de grosse entreprise elle capable référer là un bureau de marketing des entreprises qui spécialisées dans ça en Haïti et pour qui pour prendre en main toute stratégie marketing que entreprise t'a voulu mettre sous pied mais et tel n'est pas le cas pour un pile et petite entreprise qui capable tout simplement confier un spot publicitaire et ben en station radio. Donc là ça que n'a pas gardé là n'a pas un paquet de travail qui pour faire à savoir comment m'a fait pour me fixer prix. Donc ça au capable mon comptable au niveau de l'entreprise là qui accompagne pour fixer prix. Stratégie communication à savoir et comment m'a fait pour me communiquer information bon au capable joindre une station radio qui capable et où l'on spot pour dans ça. Maintenant ce qui a trait à distribution c'est là qui m'a donné en connaissance stratégique de terrain pour me connaître spécifiquement combien cob que et distribution produit ça après le coûter et qui rentabilité que m'a joindre dans utiliser telle ou telle stratégie de distribution. Mais globalement, c'est des bagages que l'entrepreneur est capable et à côté de réseau de compétences que l'gain au niveau de l'emploi et lieu, il était capable d'adresser assez facilement. OK. Donc là, je pense est arrivé pour nous capable faire un rappel de ça nous aujourd'hui avant nous aller. Ça nous t'a regardé aujourd'hui, nous t'a regardé et nous t'a bouclé et étude de marché. Pas bien là nous dans étude et côté nous t'ai regardé dans première émission, nous t'ai regardé question de prix, question de produit et sujet, nous t'ai regardé comment produit a les besoins bien définis, entrepreneur a besoin assurer que les bons produits qui répondent à qualité que clientèle là lui-même l'attend avant même que lancer production bien ça, bien ou service là. Et nous te garder tout comment prix a li déterminant donc façon que entrepreneur calculer prix et pral dépendre est-ce que l'a fait comme ou pas donc il besoin bien assurer que prix l'a calculé à li en fonction de coût de production li en fonction de réalité marché a et à savoir qui sa clientèle l'a prêt pour le payer li doit fonction tout de sa concurrent ou a demandé pour produire actuellement et tout et qui objectif de bénéfice que lui-même il t'a réalisé en tant qu'entrepreneur. Et lorsque nous garder au niveau de politique de communication hein, bon nous expliquer que bon pour produire un bol pas qu'à vendre tête li nous voulons démystifier ça dans l'esprit tout le monde ou supposer gain en politique de communication côté ou vendre produit ou là ou vendre une image de produit hein, pour que monde capable acheter pour capable connaître produit ça qui côté li disponible à qui prix li disponible et comment yo capable faire acquisition produit ça et c'est là que nous t'es entré en dedans politique de distribution, à savoir par qui moyen que m'bral fait en tant qu'entrepreneur pour que produit ça qui la kaye moyen l'atterri nan men consommateur ou bien nan men acheteur. Donc c'est ça que nous tapoué et dans émission ça. Dans prochaine émission, nous pral aborder et question organisation, question gestion, à savoir tout ça que nous sont tap dit dans émission passée yo, comment entreprise la pral organiser que ça soit au niveau de ressources humaines, que ça soit au niveau de ressources matérielles, que ça soit au niveau de statut juridique li. Comment li pral organiser pour que le chita entreprise ça et que entreprise ça assurer une certaine profitabilité pour entrepreneur. J'ai dit auditeur pas gain intérêt rater émission semaine prochaine non.
Définitivement. Yeah, et avant nous aller, professeur Leslie Jules, et c'est certain qu'il y a des auditeurs qui vraiment est intéressé pour être capable de réagir ensemble avec nous. Surtout que nous t'ai promettu dans le commencement de l'émission que s'il y a des entrepreneurs qui branchés, qui besoin d'assistance. Donc, Santlan est prêt pour que li capable aider yo dans sens ça, sans ça que professeur Leslie Jules lui-même l'a dirigé. Donc, certainement, me connaît, ou a besoin de contacter professeur, mais n'a bon adresse électronique, qu'on est capable d'écrire, c'est L Jules, c'est avec J-U-L-E-S, à commercial, C-S-L-P-R-O, .org. Ma reprendre li encore. L là c'est pour Leslie, mais c'est L seulement. Jules avec S à commercial C S L P R O.org. Donc comme ça vous capable écrire professeur et lui a répond nous, lui a prend rendez-vous avant pour aider ou même entrepreneur ou bien de monde qui t'a remet rentrer dans domaine ça. Place un dernier mot pour professeur avant nous aller. Bon, et c'est un plaisir pour m'être avec nous matin pour nous t'ka animer émission ça pour nous boucler étude de marché et comme nous t'ai wel dans émission précédente yo. Alors, il y a des entreprises qui ont entré dans une démarche systématique, en étude de marché, en document écrit tout ça. Mais ça que nous devons arriver ensemble avec vous, c'est des questions que vous supposez poser tête. Et nous pas connait est-ce que ou a gagné au sous papier, est-ce que ou a gagné dans l'esprit ou dans tête ou, mais c'est des questions que ou besoin poser tête ou parce que tout le monde qui réussit dans business yo, peut te poser tête yo question ça yo un jour ou l'autre. Voilà madame monsieur, c'était Mission Entrepreneurship sur Radio Lumière chaque mercredi matin 8h 9h avec Daniel Eliassin, Leslie Jules, Jacques Admettre. Bonne journée, à la semaine prochaine. Découvrez les outils nécessaires et efficaces pour monter et lancer votre propre entreprise à l'émission Entrepreneurship, présentée par le Dr Leslie Jules, professeur d'université, consultant en entrepreneurship et développement organisationnel avec le Centre spécialisé de leadership. Tous les mercredis matins, entre 8h et 9h, à vos plumes, à vos marques et notez les outils et stratégies de développement d'entreprise à l'émission Entrepreneurship. Reportage, interview, débat, info, tout ça à Entrepreneurship sur la lumière des radios. La lumière des radios. La lumière des radios.